que sa voix et ses larmes pour exprimer la douleur qu'elle continue à ressentir après la mort de son époux. Marie-Olivier Bekabila, touchée dans son fort intérieur, partage les souvenirs qu'elle garde de l'illustre disparu. Je ne sais même pas comment exprimer ce que j'ai ressenti réellement. Vu d'abord la grandeur et la simplicité de la personne, je vais commencer par conseiller un tout petit peu. Toutes ces personnes qui s'adonnent déjà maintenant à déshonorer l'illustre disparu au travers les médias. S'il vous plaît, arrêtez. Nous sommes Africains. Franchement, vous les médias aussi, triez un peu quoi montrer, quoi passer, parce que vous êtes censés être des éducateurs et non des destructeurs. La première d'entre les dames de la RDC ne sait pas déplacer les mains bredouilles. Elle a emmené des produits vivriers, fruits et labeurs sur les terres de la ferme Espoir à Kingakati. Des légumes, des chèvres, du manioc comme contribution en cette période de deuil. C'est tard dans la soirée que la première dame de la République démocratique du Congo a pris congé des Chongo. Un pays des droits. Mibeko ezali. Ce qui moto moni que na position na yo za lesé par rapport à héritage. Quelle la justice ezali? Pezela nanu mowei apema. Ajosi yango yoti na balis.